Re-YouTube, bon, on vient de déglinguer un petit ourson là. Un Winnie l'ourson. Et maintenant, et ben, on va essayer de récupérer nos petits cristaux bleus. Mais j'ai quand même l'impression que ça va être plus compliqué. Bicouze. J'ai l'impression qu'il faut monter en fait. Ah, peut-être qu'on peut monter par là. Non. C'est pas bon pour la santé ces saloperies, mais c'est bon. Un peu comme tout ce qui est pas bon pour la santé en fait. C'est le problème. Hein. C'est le problème, c'est que globalement les trucs pas bons pour la santé, bordel, qu'est-ce que c'est bon à manger quoi. Allez, on fait une Skyrim. Voilà, vous avez vu. La technique. Qui marche quasiment tout le temps. C'est quoi ça? Oh non! Oh, le petit connard! Oh mais ils sont pleins! Oh, oh le connard! Et ils vont vite hein. Hausse d'écureuil. Trop bien. Hop! Capacité de stockage. Os de rat. Oh, ils me remettent des os de rat. Les fruits, c'est pas... Les fruits, c'est très bon pourtant. C'est vrai. Non, c'est vrai que les fruits, c'est bon. Enfin, ça dépend des fruits, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait toujours le volcan, là. Allez, on va monter, parce qu'a priori c'est là-haut. Je suis sûr qu'il va y avoir des étincelles là. Chaque fois qu'on monte, il y a des étincelles. On peut pas passer par là, ok. Eh bah dis donc. Faut les mériter, hein. Il va me faire tomber le bâtard. Oh les sales cons. Barre-toi.
Ah! Mais vous avez vu comment il se déplace oh. C'est atroce. Merde, j'ai plus de... j'ai plus de mun. Hop! Ta mère toi? Enfin... quelqu'un de ta famille quoi? C'est beau, c'est beau. Et donc c'est dans le coin. Y'en a d'autres là-bas. Mais du coup, faut que je revienne par là. Mais c'est où? Évidemment, les étincelles. Il est où? Hop. Il est où? Il est par terre. Toi si tu pouvais mourir. Toi si tu pouvais mourir aussi. Merci. Voilà. Bisous les étincelles. Hein. Il y en a encore un qui est vénère là? Ah ouais. Il plonge. Et bim. Bon, tout ça pour pas savoir, pour toujours pas savoir où c'est. Hein. Ah, bon, ça, c'est un vieux veilleur, ça, un vieux veilleur tout nul. Ah mais je suis monté là pour rien en fait. Ah oui là je suis à l'extérieur. Quoi? Non. C'est où? Merde. Pan.
prends. Voilà. Ce fut court mais intense. Oh, ce froid me brûle comme le soleil. Ah. Oh, là que je suis... Ouais. J'essaie de choper ça, en fait. Ça se trouve, depuis le début, c'est en bas, en fait. J'ai l'impression. Mais vu que je suis là-haut, est-ce que j'en profite pas pour essayer de choper... le pigment. Le pigment qui est probablement dans le coin. Ok, je suis tombé trop haut. Ok. En plus, il y a le truc pour descendre. Donc le pigment est sûrement dans le coin. Non? Ah, en face. D'accord. Il commence à faire beaucoup noir là. Allez. Alors. Sa couleur est si vive. Tac. Typiquement. Nice. Bon, ça va, on avance. On avance, on avance. J'aurais pas fait grand chose de la... pour l'instant, de la quête principale. Ouais, plein le doigt. Je m'en fous partout, j'étais un gros dégueulasse. En même temps, il fait chaud. Hein. Il fait quasiment 26 dans le bureau, là. Est-ce que je me fais chier? Alors descendre alors que j'ai un feu de camp pas loin là. Ça dépend, est-ce que je peux redescendre pour lui? C'est là, hein. Ouais. Bon allez, on va essayer de trouver le petit cristal là. Faut pas trop que je cours, mais voilà, j'allais dire, faut... Faut que j'analyse un peu aussi à un moment. Hein. Ok, 24 dans ma pièce, d'habitude c'est 25-26, mais l'air est frais dehors, ça fait du bien. Nous ici c'est l'inverse, il fait lourd aujourd'hui dans le coin. Descente rapide. Alors des chèvres, des chèvres. Ah. Yes. Il est là notre cristal.
fluide de machine gelée. C'est quoi ça? Charognard, ok, on s'en fout. Une petite griffe. Non. Et vers les écureuils. Un blaireau aussi. Bon. Oh, trop bien! Qu'est-ce qu'il fait? Il est un peu con lui, non? Mais il a... il m'attaque pas? Voilà. Là on est bien. Oh. De la suite quoi. Mais regardez là! Oh, il est bugué! Mec, t'es bugué! Neuf. Mais il était buggé à mort. Il m'a pas attaqué. Bon bah ça me va hein. Ça me va. Un griffe de gel à qui j'ai cassé la tête. Sans que ça me coûte. Ah 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 ah. Ah là il y a un petit feu de camp. Puis là il y a, un petit il y a un petit monticule là, à désactiver là. Ça me fait tellement rire quand elle court dans la neige. Vraiment, c'est encore un des trucs qu'ils ont tellement réussi, quoi. C'est du détail. Mais le fait que quand elle est dans la neige, elle court en canard, c'est juste pas grand chose. Mais un petit coup de réalisme en plus, quoi. Ah merde. Shit. Évidemment, faut que je me rapproche, quoi.
Os de super chouette. Alors qu'est-ce qu'on a? Non, on a de la chèvre et tout. Alors, des crashers. Ok. Tour de contrôle trouvé. Feu de camp trouvé. On va les sauvegarder d'abord. J'ai entendu une petite chouette là. Et après on va voir ce qu'on peut faire. Attendez, c'est chaud là quand même. Parce que j'ai les trois crashers. Attendez, j'ai les trois crashers là. Enfin l'autre, attendez. Il va me voir lui. Non, c'est bon. Il tourne autour du, de la tour de contrôle. Donc c'est un peu compliqué quand même de les faire dégager. Il faut que j'arrive à pirater la tour. Sans qu'il me voit. Ouais. Elle est un peu compliquée, non? Si j'envoie une pierre. Genre loin. Il y a des mecs là-bas. Est-ce que je peux pas? Ils vont se faire casser la gueule, non? Non, c'est moi qui vais me faire casser la gueule. Ah oui, ils se font casser la gueule aussi. Trop bien! Les bandits qui sont arrivés pile au bon moment quoi. Merde.
Attendez. Aïe. Merde. Merde. Comme d'habitude. Mais non mais oh là là c'est chiant quand ça fait ça. Allez. Trop près, ça explose, je suis dans la merde. Ah merde, merde, merde. Eh bien. Ouch. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde, ils m'ont vu. Barre-toi, toi. Pas de tout ici. Allez, c'est bon. Donc ça c'est cool, c'est désactivé aussi. Il y en avait qu'un. Ah, il y en avait qu'un. Hop. Bon bah je peux aller tranquillou. Pas du tout ce que j'avais prévu de faire hein, mais mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va aller au feu de camp qui est là, ouais. Ah blaireau. Nul, mais. C'est nourrissant. C'est nourrissant. Une chèvre. Un blaireau, une chouette, une chèvre. Non. Non, c'est pas de la bonne musique. C'est comme bait. Ça va. C'est pas des bêtes compliquées ça. Ban de Twitch. Pourquoi ban de Twitch? Pourquoi je serais ban de Twitch? Parce que je chante des bonnes chansons. Les trackers et les hauts de pattes.
Non mais c'est ça, vous comprenez pas la grande musique quoi. Ah tu vois, toi-même tu sais. Toi-même tu connais. Wesh. Ne me dites pas que c'est en haut. Je sens plus, mais je sens plus rien en fait. Ah. C'est emmerdant ça, Aloy. Hein. Non! Merde. Bon, faut que j'aille plus loin. Blaireau? Est-ce que je peux l'avoir d'ici? Oh là là. J'ai tiré dans l'arbre. Non? Ah non, animal tué. Alors là? C'est dur, mais j'ai l'habitude. Petite peau de blaireau là. Il est pété lui où il avait parlé. Ah non, elle fonctionne encore la tour de contrôle là. Elle a pas l'air en forme hein, mais. Mais qu'est-ce que je peux faire? Non, je peux rien faire hein, dessus. Ah mais il met des trucs comme ça, je peux pas grimper là. Ouh, tant pis pour la prudence. S'il vous plaît. Allez hop. Petite Skyrimade. Oh la caméra a du mal. Hein. La caméra a du mal à comprendre ce que je veux faire là. Ouais. Mes jambes. Je m'ai cassé les jambes. Je m'ai encore cassé les jambes. Merde, mais par où on va? Je suis en train de m'éloigner là. C'est que ces conneries. Oh, vous avez vu le petit move qu'elle a fait? C'était mignon. Quoi? Petit blaireau. Ah merde, dans son cul. Ah, écureuil.
chiant quand ça glisse. Ça apaisera ma faim. Vous voyez là, il y a une corde qui est très probablement utile. En fait, là, il y a tout ce qu'il faut en fait là pour grimper. Ouais. Oh, ah, ça monte par là. Ah mais alors, il déconne pas là. Voilà, là, tu peux le faire. Allez. Bah oui, ça doit être par là. On y va. Qu'est-ce qui se passe? C'est par où? Ah, je suis en plein dedans là. Oh, il y a le tag qui déconne. Le tag sur la colline, il marche pas bien. Bah alors, il est où mon truc là? C'est quoi que je cherche? Je sais même plus. Cristal bleu. Ah, plus par là. Du veilleur. Alors là, je suis ébobi. Désolé, petite chèvre. Qu'est-ce que ça me donne de monter là? Rien. Ça me file un meilleur point de vue. Mais ensuite... C'est fou, il est pas là. Mais c'est une blague. À quoi en bas là? Enfin, si le truc est en bas, je suis dégoûté. Je vois pas pourquoi il sera en bas. Chaque fois ils sont en hauteur.
je me suis cassé les jambes. Hein. Alors. Là. Dans les forêts? Je suis dans la zone encore. Hein. Mais ça a bugué là ou pas? D'habitude je les trouve super simplement. Et là genre je le vois pas. Mais... je suis plus dedans là. Là, je suis pas du tout dedans. Je suis scié là. Vraiment, hein. Qu'est-ce que je vois pas? Et le tac qui bug. Non mais je l'ai déjà récupéré et le truc a bugué, c'est pas possible quoi. Si vous avez vu quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Putain, c'est en bas. Oh merde! J'ai vu que dalle. Merci patatarte. Non mais il est juste en bas en fait. Hein, mais... c'était aussi con que ça quoi. Ah, je pensais que j'allais être coincé, même pas. Je me suis encore cassé les jambes. Pourquoi il bug le tag là? Pourquoi je vais là?
Qu'est-ce que je cherche à faire? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Y'a rien hein. Bon, du coup, je retourne à mon petit feu de camp là. Non mais quand je pense que j'ai fait le tour là. Pour rien. Oh non, il y a des... Oh non, mais barrez-vous. Et donc mon truc, il est à peu près là. Non, non, pas les étincelles. Je veux mon blaireau, moi. Allez. Voilà, merci. Bon, et du coup... Je l'accueille. Ouais, voilà, c'était juste là. Tout ça pour ça, hein. Ah bah c'est là. Bon, très bien, j'aurais pas à chercher des plombes. Next. Notre petit cristal qui est là. Comme ça après je peux remonter. Et vous vous rappelez qu'au départ je cherchais cela. Hein. bon. Je crois qu'on s'est un peu éloigné. De la quête d'origine, faut que je remonte. Que, voilà, c'est lui qu'il faut que je... C'est lui qu'il faut que je suive. Ouais, plutôt par le haut, non? Bon, je vais encore me faire baiser, il va être tout en bas. Ok, j'ai des coureuses dans le coin. Encore de la coureuse. Je suis dans la zone. Bon. Cherchons. C'est là. Ah le mec. Le mec il cherche, c'est devant lui quoi. Ouais. Ceux-là c'est à côté d'un feu de camp donc c'est plutôt cool. Il me semble qu'il y avait des, il y avait un monstre ici, non? Je sais plus, peut-être. Mais j'avais pas fait gaffe, j'avais un feu de camp ici pour remonter là.
Oh le mec. Oh le mec qui fait gaffe à rien quoi. Poète, 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 poète. Non bon, on va la récupérer notre petit pigment. Hein. Là de toute façon ça sera sur le chemin parce que là on est obligé d'y aller. Et on a bien attaqué la carte quand même. Hein. On a bien 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 attaqué la carte. En direct quoi. Là faut que je remonte, je veux mon pigment. Il part où? Il part là. Ok. Bah let's go. Oh! Ah c'est bien gelé dans le coin là. Attendez, faut que je fasse gaffe aux animaux aussi. Oh, il y a un dindon. Il faut que je monte ou pas? A priori, il faut que je monte, ouais. Il y a un chemin dans le coin. Ouais, voilà. Très froid. J'ai compris. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? Là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un beau petit combat là. Ah ça y est, c'est le retour des pixels. Le retour des gros pixels pour faire la neige. Il va faire tout noir. Comment ça va faire tout noir? Non regarde, ça se lève. Ah mon pigment il est au-dessus. Il y a un truc là, je vais me faire attaquer, je me... enfin... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comment... Non j'ai pas... Non bah non du coup j'ai pas la ref. Comment ça va Chrisou? Mais c'est mignon dans le coin. Ils ont fait des petits bâtiments là. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a ça. Ça colle aux mains. Bah oui c'est du pigment. C'est du pigment. T'arrêtes hein. T'arrêtes tout de suite tes allusions hein. Tu parles de Aloy là, tu parles... ça va pas le faire hein. Je suis pas content hein. Non mais... Où ça? Alors. Mais regardez, c'était... Non, c'était pas là. Disent, voilà, c'est par là. Je suis monté tout en haut, il y avait rien. Hein. Ah, regardez, c'est là. Ok, bon, j'ai... du coup, c'est vu. Et c'est quoi la rêve du coup?
Ok, c'est à peu près à ce niveau-là. Vous voyez, c'est là. Hop. Un cristal bleu. Je le prends. Au film Ah, j'ai pas vu. Pas vu étant donné que je déteste les Robins des Bois. Il est possible que je le voie jamais. Il en reste un dernier. Il va être où? Évidemment, hein, faut qu'il en manque un. Hein. Bon, tous ceux-là, ils sont récupérés. Là-bas, j'ai un petit forban là-bas. Et là, ça va jusque... Ouais, non, ça va quasiment jusque... Quasiment jusqu'au feu de camp, quoi. Mouais, mouais, mouais. Allez, me fais pas tourner pendant des heures, quoi. Je peux pas aller leur parler, eux. Ils y font. Ils se bassent. A priori, il y en a un qui est mort. Là, je suis dans la zone. Je suis dans ma zone. Ouais, ouais, ouais. Ah. Yes, il est là. Trouvé. J'en ai 18, je pourrais encore acheter un truc là. Cool, on les a tous trouvés. Je vais là, je remonte un peu. Oh, j'ai trouvé tellement de trucs quoi. Ou alors je continue un peu la quête. Là, je peux aller défier machin là. Ou j'aille défier truc bidule.
Seul moyen d'Aloïd, découvrir les secrets, de participer à une compétition de chasse contre Arathach. Le gagnant gagne le contrôle du Vérac et l'accès à la montagne. Et j'avais deux trucs à faire, enfin j'avais plusieurs trucs. Potentiellement pour y arriver. Ou quoi, c'était à la cime pour parler à la meuf. Ou alors faire des preuves, faire mes preuves en faisant des quêtes secondaires. Bon allez, je vais aller chercher mon petit pigment là. Alors, on a donc du blaireau et de la chèvre. C'est pas très sympa, hein. Dit comme ça, c'est pas très sympa. Alors donc là... vous avez du blaireau. À côté, vous avez de la bonne grosse chèvre, hein. On a là. Oui. Bah dis. Comme ça, un truc au pif. Et donc là, on est dans la zone. On est dans la zone, mais on voit... Ah, un raton. Oh, alors toi, t'es ma chance, toi. Ah, 10 barres, ce connard. Je l'ai eu. Je l'ai eu, mais y'a rien. J'en peux plus. Même les vieux me bloquent sur les apps de rencontre. Comment ça, hein? Faut nous le dire, hein. Quoi ça? Des grilleuses. Quoi ça? Un blaireau. Chrisou, comment tu fais pour rester frais et sexy? Le sport et la bouffe. Voilà. Voilà. Bonjour, je m'entretiens. Ah ouais, d'accord. Le sol, l'air et moi. Du blaireau, du dindon. Un veilleur. Ah, le pigment, il est là-bas. Trouve-moi l'écureuil, ouais. Et il est derrière le monticule. L'écureuil. Non mais reviens. Reviens. Tombe. Il a mon pigment. Ah il est là. Et tu fais des suppositions, je suis peut-être pas sexy du tout. Ouais t'as vu hein. T'as sans doute un filtre pendant tes streams. C'est ça? C'est ça, moi. C'est fou ce qu'on fait maintenant avec... avec les... les trucs d'intelligence artificielle de Nvidia. Vous savez? On peut faire en sorte de ne plus entendre les bruits extérieurs. Et on peut faire en sorte d'être beau gosse, quoi.
C'est assez ouf quand même. Merci à Nvidia. Hein. Pas vu nu. Tu peux être sexy. C'est pas forcément à poil sexy. Si. Depuis quand maintenant faut forcément être à poil pour être sexy? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça non, ça c'est un blaireau, ça c'est un gros blaireau, ça ouais, c'est par là qu'il faut que j'aille. Ouais, c'est par là. Oh, regardez. Vite. Oh, c'est nul. Dommage, c'était nul. En vrai, moi, c'est surtout la tête des gens que je trouve sexy. Après, le reste secondaire. Bien, juste le visage, pour moi, c'est plus le charme et pas sexy, non. J'ai des mauvaises définitions. Ouais, je pense que c'est un truc vraiment propre à chaque personne, en fait. De toute façon, je sais que je suis pas le genre de patatarte. Je suis trop jeune et pas assez poilu. Tu vois, patatarte, tu dis trop de choses. Tu dis trop de choses sur le stream et du coup, après, voilà, tu te fais recaler à cause de ça, quoi. Je suis sûr que t'avais une chance. Puis du coup, recaled. C'est bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pue la griffe de gel là qui va se pointer. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Oh, c'est un blaireau. J'aurais pas de mal à prendre un morceau de cette taille. J'avais pas remarqué encore ce petit mouvement qu'a fait là. Pourtant, j'essaie de manger beaucoup pour masquer mes abdos. Mais j'arriverai pas à le faire. Comme ça, j'en fais trop. Bon. Ça y est, mais ça. Allez-y, hein. Draguez-vous dans mon chat, hein. Y'a pas de problème. Là-bas, c'est un blaireau. Ah! Non, là, c'est un veilleur. Ah! Cristal bleu ici. Je vais détacher soigneusement ce cristal bleu. Vous pensez que le cristal bleu, en fait, c'est juste de l'huile de vidange, quoi. C'est quand même ouf, hein. Le crijou ne drague pas, je sais qu'il est joli. Mais c'est pas mon style, ça n'empêche pas d'être joli, non? C'est vrai. Il est vrai. Je te l'accorde. Figurine de animaux. Non, allez. Allez, avant la pause. Avant la pause, je vais quand même aller continuer un peu la quête principale. Eh non, mais j'aurais... Ah, par contre, je peux aller peut-être aller acheter un truc. Ah, faudrait que je trouve un petit marchand, là. Ah ouais, là, je me fais un petit marchand. Je lui achète 2-3 trucs, là. Eh, hey, marchand. Marchand, marchand.
Hop, allez. Ça j'ai. Et donc ça maintenant je peux lui acheter. Regardez. Le petit arc là. Est-ce qu'on est pas bien? Est-ce que je peux encore acheter des trucs? Non, bah non, bah non. J'ai tout acheté, j'ai tout vendu. Bon. Y a-t-il des trucs en double? Attendez, ça je peux vendre. Comme là-dedans, là, je peux vendre aussi. Ça c'est juste des superstitions chez les gens. Donc je m'en fous. Ensuite, artisanat. Ok, là tout est plein. Ah oui, c'est vrai, c'est des rats qu'il me faut. Des rats et des ratons. Le raton, va falloir que je retourne dans le jeu principal, je pense. Parce que les ratons là dans le froid, il n'y en a pas des masses. Hein. Bon, ça c'est ok. Le truc que je viens d'acheter là, je vais pouvoir remplacer celui-là. C'est ça. Hein. C'est les flèches de feu et tout. Là, il fait 65, 50, 90. Oh mais ouais, non mais oh, ah ouais, non mais il est tellement meilleur. Il est tellement meilleur quoi. Hop. Et du coup artisanat, on va modifier les armes. Et on va lui mettre des trucs dedans. 41 en dégâts. J'en ai pas avec du feu en plus. Ah si. Plus 40 en feu. Et de la déchirure, est-ce que de la déchirure ça pourrait m'être utile? Ouf. Ouais, non, pas tellement. On va plutôt prendre, voilà. Hop, le feu. Et puis ça me redonne de la déchirure aussi, ouais, vas-y. Feu. Et électricité, je m'en fous. Ça me donnerait du maniement. Ou alors, un peu plus de dégâts et de la déchirure encore. Allez, go. Du coup, ça me donne 44. Ah ouais, non mais... tellement meilleur, quoi. Ça y est. Cet arc-là va commencer... mes armes ici. Ce serait de la triche. Ouais, d'accord. Cet arc-là va commencer à vraiment faire du dégât, quoi. Et maintenant... Je vais aller... Je vais aller faire sa fête à l'autre, là. Oh, il va être froid monté, non? Je ferai réchauffer. Je ferai réchauffer à la pause. Ça, c'est pas très bon. Elle passe ses journées sur cet échafaudage à étaler sa peinture sur la pierre. Regardez ces machins. Il y aura les boules, hein. Quand je vais lui poser mes armes là devant la tronche. Il va pas être content. Hein. T'intéresse beaucoup à notre parcelle de neige étrangère. Oui. Oh, le mixage de DLC est fait. Allez. Tu me lances un défi. Pour le Vérac. Toi? Ha! C'est une plaisanterie. C'est très sérieux, Aratak. Regardez. Comme tu soutiens sa demande, je suis forcé de l'accepter.
Tu coupes le son? Ouais. Je dois dire que tu me déçois, ma sœur. C'est toi qui m'as banni du fût du tonnerre, mon frère. J'aurais dû te prévenir, ouais. Mais tu m'entends pas. C'est un petit peu plus compliqué que ce que je pensais. Non, c'est simple. Rejoins-moi au pilier de gel et je mettrai un terme à cette sottise. Putain, frère et sœur, quoi. Putain, ils peuvent pas se blairer. Je suppose que je te dois une explication. Mais le mixage! Allô, le mixage! Allô, Jean-Michel Mixage! Qu'est-ce que t'as fait avec les boutons? Pourquoi tu m'as pas dit qu'Aratak était ton frère? Ça n'était pas nécessaire. Je suis surprise qu'Aratak l'ait révélé à une étrangère. Il est sûrement en colère. Je ne suis pas très douée avec les gens. Je préfère la compagnie des esprits. Ou même la mienne. Je ne voulais pas que tu prennes ce pèlerinage pour une querelle familiale. C'est beaucoup plus important que ça. T'as du cran, je le reconnais. S'en prendre à son propre frère. Il ne m'a pas laissé le choix. Il me croit trop jeune. Il veut me cacher derrière le groupe. Il m'empêcherait d'accomplir mon destin. Pourtant, une partie de moi savait qu'il finirait par me pardonner. Il pardonne toujours. Oublions ta famille. En quoi consistera ce défi au juste? Aratak et toi chasserez des machines aux piliers de gel. Le plus rapide l'emportera. Ce sera difficile. Ça ne me changera pas de d'habitude. Rejoins-nous au point de départ. Je t'en dirai plus. Ce sera plus simple à expliquer au pied des collines. Ça va être chiant. Ouréa, ça n'a rien d'une histoire de famille. Je veux savoir ce qu'il y a au fût du tonnerre. L'esprit, le daemon, et le lien avec les machines. Mais si on doit se lancer, je veux que tu sois franche avec moi. Je t'ai sous-estimé. Ainsi qu'Aratak. Je ne ferai plus la même erreur. On se retrouve au pilier de gel. C'est où ça encore? Derrière, ils sont vénères, ils sont en train de se battre entre eux, quoi. Bon, je vais devoir risquer ma vie pour devenir chef d'une bande de chasseurs banniques. J'en ai toujours rêvé. Pilier de gel, me voilà. D'accord, ouais, ok, donc c'est... Ah bah oui! C'est la petite zone qui était toute mignonne. Ah! Ok. Il y a un cristal bleu sur la route. non, quand même pas. Non, bah on va y aller. Quoi? Raton? Un raton? Ok, les piliers de gel ne devraient pas être loin. Désolé mon petit pote. Et os de raton? Capacité de... Non merde, ça marche pas. C'est une peau de raton qu'il faut. Ah, c'est des peaux de raton. C'est pas bizarre de pas savoir à quoi ressemblaient les gens. À quoi ressemblent les gens qui... Ah, à quoi ressemblent les gens qui parlent dans le chat. Qu'est-ce qui se passe? Merde, je suis pas parti du bon côté. Non. Bah ça peut... Je trouve que ça a peu d'importance en fait, ce à quoi vous ressemblez quoi. Ça m'importe pas beaucoup plus que ça en fait. Oui, il y en a certains, je sais, vu qu'ils stream quoi, mais... Attendez, j'ai un marqueur quelque part là qui m'emmerde. Non? Et voilà. Le marqueur là, ouais, voilà. Ah, c'est mieux.
Les piliers de gel. Aratak et Urea sont dans le coin. Après, je te dirais bien, patatarte, si t'as envie, balance-moi une photo, mais... j'ai peur. J'ai peur de ce que je vais recevoir. Ah, parlez ou voilà. En fait, c'est juste un hochement de tête, le parlage. J'ai déjà relevé ce genre de défi. Je ne crains rien. Ce défi, c'est ridicule. Tu n'es pas Banouk. Tu ne comprends pas mes responsabilités. Je te le demande. D'un chasseur à un autre, abandonne. Tu nous laisseras monter au feu du tonnerre? Tu n'as pas vu ce qu'il y avait là-bas, étrangère. Je ne risquerai pas encore la vie de ma sœur. Alors inutile d'attendre. D'accord! Je vais enterrer ton défi insolent dans le sol gelé. Ça suffit! Allez, commençons! Chasser! Lutter! C'est toute la vie des Banouk! Et c'est ce que tu devras affronter! Tu escaladeras les piliers de gel par l'est, Aratak par l'ouest. Chaque piste croise des groupes de machines redoutables. Des chasseurs du Vérac seront placés sur le chemin. Ils t'appelleront, te montreront les machines à abattre. Ta traque te mènera vers le centre par la falaise, et tu descendras dans la vallée pour la dernière cible. À chaque fois, une fois ta proie tombée, tu devras lancer une balise comme celle-ci, afin que le clan suive ta progression. Tuer des machines, lâcher des ballons. Compris. Alors, le premier à lâcher le troisième ballon a gagné? Eh bien... oui. Mais en tant qu'aspirante, ta voix sera plus difficile. Comment ça? Si une seule de tes balises part après celle d'Aratak... Oh, le mixage. Le mixage est nul. Tu as eu ta chance, étrangère. Toi aussi. L'épreuve commence à mon signal. Je vais me planter. je sens que je vais mourir direct. Ah, non. Allez, je dois gravir cette montagne. On dirait qu'il y a plusieurs trajets possibles. Ils sont marqués par ces peintures sur les roches. Non mais monte à l'œil. Oh là là. Je vais où? Allez, on monte. Je vais où? S'arrête. Elle s'arrête. Tous les hivers arrivent en même temps. Ouais, go. Aïe! Je m'ai cassé les jambes. Allez. Allez, grimpe. Je suis presque en haut. Oui, j'y ai presque. Bon, écoute. Ton objectif est d'éliminer le troupeau en bas. Toutes les machines. Éliminer un troupeau? Aucun problème. Thank you.
Ah, je l'ai pas vu lui. Ah, je l'avais pas, j'avais pas vu ça non plus. Tu disais quoi, Christou? Qu'est-ce que tu disais, Christou? J'ai pas. Ton objectif est d'éliminer le troupeau en bas, toutes les machines. J'ai pas entendu. Allez. Attendez. Je vois plus rien. Aïe, aïe, ah vas-y. Bourre. Allez. C'est ouf. Quoi ? Ok. Allez, c'est parti. Grimpe sur le rebord et lance ton ballon. Ah d'accord, c'était là. Ah c'est là où on était tout à l'heure en fait. Quel skill ! Allez. Ah mais j'ai un... Regardez. Regardez qui y a aussi. Y'a Pépère là. C'est ici que tout s'achève. Oh là là, ils me font chier. Elle est où l'arme de machin? J'ai pas vu qu'il y en avait rien à côté. Aïe! Allez! Boum! Quoi? Mais non! Merde, y'a le toutou! Y'a le toutou qui est devant! Ouch. Putain mais... Ils me font chier eux hein. Moi je m'en fous de vous.
Non mais je m'en fous de vous. Barrez-vous. Il est où le ballon? Bon, trouve un marqueur. Lâche ton marqueur. Il y a l'autre qui me court derrière là. Il manque une petite alerte avec des canards. Pom pom girl, pom pom de... qui craint des pancartes skill. Dans la vallée, oh, oh. Vous avez vu, je peux créer des armes pendant que je suis en train de glisser à la tyrolienne. C'est quand même fort. Hein. La tempête se lève, on n'y voit rien. Dans la vallée, oh, oh. De nanana, nanana. J'y suis presque. Vous allez chanter ça aussi? Bah évidemment. Dans la vallée, oh, oh. Là ça va être quoi? Que se passe-t-il? Je ne vois pas les autres. Ceux qui doivent attirer nos dernières proies. Oh, ils sont fait becter. Bah évidemment. Oh des oursons. Oh y'a des oursons. Oh là oh là. Y'a trois oursons. Je crois qu'on est dans la merde. Merde. Ah bah non mais y'a les oursons là aussi. Oh là là oh là là. Oh les oursons. Oh le suplex. Les oursons qui font des suplexes. Allez, non mais arrête! Je tire au-dessus. Oh là 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 là! Oh l'erreur! Oh, y'en a un qui est quasiment mort là. C'est bon, y'en a un qui est mort. Ils sont où les autres? Ils mettent pas? Oh les glaçons! Il m'envoie des glaçons lui! J'aime pas ça les glaçons.
Aïe! Je vois rien! La caméra! On est en 2021! On sait toujours pas faire une caméra meilleure que Mario 64! Non, pas les glaçons! Aïe! Oh là là, c'est au-dessus! Voilà, c'est plus simple pour toucher les épaulettes du coup. Et je me foire quand même. Hein. Oh, il a tabassé son pote. Ah, I am coinced. J'ai plus de canne. J'ai plus de bâton. Merde. J'ai plus de bâton. Allez. Coucou Bibi, coucou. C'est donc vrai. Des griffes de gel du fût du tonnerre. Leur attaque a interrompu l'épreuve. Naturellement, il faudra la refaire. Ça ne compte pas. Genre. Réponds-toi. Dis que je suis une brave. Vous avez vu ce qu'elle a fait. Elle a vaincu les machines. Pas moi. C'est la preuve. C'est une meilleure chasseuse. Yes. Nous sommes Banouk. Survivre, vaincre. C'est tout ce qui compte. Merci. Vous avez vu ? Oh les petits oursons quoi. Il n'y aura plus l'ascension au flux du tonnerre. La voie est fermée à tous, sauf aux chefs de clan. Et à moi. Je n'en ai aucun droit, mais je te demande. Accompagner toi et ma sœur. C'est envisageable. Si seulement tu fais ce que je dis. Oh dis donc, ouais. Non. Par contre, Jean-Michel Mixage. Seulement si tu fais ce que je te dis. Le feu du tonnerre attend. Il y a un camp à son pied, l'entaille, c'est son nom. Rejoins-nous là-bas quand tu voudras. Ouais bah attends un petit peu quoi. Chef Alloy. Oh ah 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 ah. Je suis la chef. C'est moi la chef maintenant. Vous allez tous me parler meilleur. Je crois que j'ai de la glace entre les dents. Une nouvelle tenue. Et la même arme qu'Aratak. Le chef de clan a besoin de l'équipement adéquat. Maintenant à l'entaille. Plus rien ne m'empêche d'aller au fût du tonnerre. Il est où le dernier
Il est derrière le... Ah bah non, il est là en fait. J'ai cru que c'était un rocher, mais non. C'était la, le petit ourson. Ils ont pris cher, hein, les petits oursons. Hein. Ah, et donc maintenant, ça devient un site de griffes de gel, ok. Donc, j'ai rien reçu. J'ai pas reçu une tenue en plus. non mais là, ils ont pas honte. Hein. Ah, le Catwoman là, la tenue Catwoman, franchement, c'est quelque chose. Hein. Par contre, j'ai plus de bâton. Et ça m'embête. Ouais, bah oui. Ok. Et ben, on va aller au feu de camp. Hop là. On va sauvegarder. Mais barre-toi, toi. Ah, c'est parfait. Merci. Petite sauvegarde. Et puis, pause. Hop. Des bisous, YouTube.